fils et filles du bon Dieu, Molo Samba de grâce et de bénédiction tout un chacun de vous pour ce vendredi saint année liturgie. B. Oui, maltraité, j'allais dire, il n'ouvre pas la bouche, tel un agneau conduit à l'abattoir. Ces paroles du prophète s'appliquent si étonnamment à la passion selon saint Jean qu'on ne peut s'empêcher de voir sous les traits du serviteur souffrant la préfiguration de Jésus accusé et condamné. Or, c'est à cause de nos péchés que cet innocent a été broyé à cause de notre comportement, notre mauvais comportement. Et c'est pour tous les hommes et les femmes qu'il a obtenu la paix et la guérison. Oui, selon l'appellation ironique de Pilate, voici l'homme dans sa fragilité, abandonné de tous, symbole meurtrier de ses frères et sœurs, injustement frappé, exclu, défiguré. Avec l'exécution de Jésus, la mort humaine a changé de sens. Elle demeure la fin apparemment absurde de chaque existence individuelle, mais l'amour peut en faire un signe de communion, fils et filles du bon Dieu. D'abord, la première lecture. Isaïe, le chapitre 52, verset 13, jusqu'au chapitre 53, verset 12. Tous ceux qui ont eu à souffrir et à donner leur vie pour leurs frères trouvent en Jésus l'accomplissement de l'espérance qui les portait, car lui, il sauve la multitude des hommes. Oui, aujourd'hui, avec Jésus bafoué, marche sur le chemin de la croix tous les hommes bafoués par notre monde, ceux qui ne savent pas se défendre, qui n'ont pas l'instruction, qui font les frais du progrès technique et économique, l'homme qui sort de prison et ne trouve pas d'embauche. Aujourd'hui, avec Jésus, déconsidérés, tous les hommes déconsidérés, le cadre est l'ouvrier âgé qu'on déclasse et renvoie, la maman célibataire, l'immigré, ces jeunes traités d'associaux, mais sans déboucher au sortir des écoles. C'est Jésus également qu'on bafoue. Avec Jésus défiguré, tous les hommes défigurés, hommes et femmes, abîmés par l'alcool, la drogue, le taudis, la prostitution, enfants braqueurs, enfants dévitalisés par la faim ou la sous-alimentation. Avec Jésus transpercé, tous les hommes transpercés. Ceux que nos guerres, nos guérillas, les accidents de la route ou du travail tuent ou mutilent, les enfants maltraités à travers le crime rituel dans leur corps ou leur esprit. Oui, ils sont des victimes du péché du monde que Jésus est venu enlever au prix de sa mort. Oui, dans sa passion, il s'est voulu solidaire de ceux qu'il venait sauver pour chacun de nous, fils et filles du bon Dieu. Ô Père, entre tes mains, je remets mon esprit, nous dira le psaume 30, fils et filles du bon Dieu. Deuxième lecture, lettre aux Hébreux, le chapitre 4, verset 14, jusqu'au chapitre 5, verset 9. Il n'y a pas d'être humain qui souffre dans le monde sans que le cœur du Christ ne vibre à sa souffrance, fils et fille du bon Dieu. Oui, Jésus a donné sa vie pour chacun de nous. Il a partagé nos faiblesses, mais sans péché. Oui, Jésus est présenté ici dans la lettre aux Hébreux comme le Fils de Dieu monté au-delà des cieux, ce qu'il est loin de nous. Ensuite, l'accent est mis sur son humanité exceptionnelle. Il a partagé nos faiblesses, mais sans péché. Le Dieu Tout-Puissant ne peut qu'agréer notre prière puisque le Fils a déjà obtenu miséricorde pour chacun de nous, pour toi, pour moi. Oui, cela s'est fait, fils et filles du bon Dieu, dans le drame de la passion. Oui, l'auteur insiste sur le cri et les larmes de cet homme affronté à la mort, dans tout fils qu'il était. Le Fils a tout pris de la condition humaine, ayant jusqu'au bout de l'incarnation
Et le Père qui pouvait le sauver ne lui a pas épargné l'angoisse suprême, mais il l'a exaucé en faisant de lui la cause de notre salut, de notre guérison, fils et fille du bon Dieu. Oui, les souffrances du Christ ne sont pas seulement un événement du passé, que sa résurrection et sa vie auprès du Père lui auraient fait oublier comme un mauvais souvenir. L'expérience qu'il a faite de la souffrance, des larmes, de la prière suppliante, de l'homme aux prises avec l'angoisse, de la peur de mourir, il permet de comprendre nos faiblesses dans l'épreuve. Oui, fils et filles du bon Dieu, lorsque nous sommes dans l'épreuve, nous sommes faibles. Parfois, on cherche des solutions ça et là. Et pourtant, la solution, c'est Jésus-Christ, fils et filles du bon Dieu. Nul ne peut désormais se dire solitaire ou abandonné dans sa peine. Jésus est près de lui, est près de ceux qui vivent des situations difficiles, des épreuves, des peines. Oui, Jésus est près de lui, le compagnon de sa douleur qui lui apporte secours et miséricorde. Il est aussi le Fils qui lui apprend la valeur rédemptrice d'une souffrance offerte pour sauver le monde. Oui, parce que le Seigneur a crié. Parce qu'il a crié vers Dieu. Pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus est proche de ceux que la misère ou la souffrance désespèrent. Parce qu'il a crié, mon Dieu, Jésus nous assure que leur cri parvient jusqu'à Dieu. Son espérance et la leur ne sont pas vaines. L'espérance de Jésus renforce notre espérance, fils et fille du bon Dieu. Mon Dieu, il est là pour chacun de nous. C'est le cri de tout un chacun, fils et fille du bon Dieu. L'évangile de ce jour, Jean le chapitre 18, verset 1, jusqu'au chapitre 19, verset 42. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ. La royauté de Jésus ne vient pas de ce monde. On le voit bien quand il a pour trône une croix et pour couronne des épines. Pourtant, il règne alors sur tous ceux qui sont pour la vérité, fils et filles du bon Dieu. Oui, au moment où Jésus est arrêté, cet évangile le montre conscient de ce qui va arriver en faisant face à ses adversaires. Ceci recule et tombe par terre quand il déclare « c'est moi ». Oui, il continue aussi à protéger ses disciples, mais il ne veut pas être défendu par la violence qui l'éloignerait de la volonté de son père. Oui, devant le grand prêtre et ses gardes, il se défend et réclame justice. Chez Pilate, il fait état de sa royauté bien particulière. Il porte lui-même sa croix jusqu'au Golgotha. L'écriture de la croix proclame « roi des Juifs » en trois langues et beaucoup peuvent lire. Malgré la grandeur dont il fait preuve constamment, Jésus passe les outrages, les coups, les tortures comme les autres évangélistes. Jean le montre faible, démuni, livré au pouvoir et à la moquerie des ennemis. Oui, fils et fille du bon Dieu. C'est la même chose dans le quotidien de notre vie. Il y en a qui se moquent de toi, de moi, de chacun de nos fils et filles du bon Dieu. Mais sache-le que le Seigneur t'emmènera vers la victoire, fils et filles du bon Dieu. Oui, un mot extraordinaire de Pilate résume ce qu'il est profondément. Voici l'homme, dit-il. Pour cette célébration eucharistique, il y aura également la vénération de la croix. Je voudrais faire un enseignement là-dessus, en passant. Oui, la vénération exprime le respect et l'affection, fils et filles du bon Dieu. Ce n'est pas de l'idolâtrie comme certains pensent, certains le disent. Oui, s'incliner devant la croix traduit l'attitude profonde de notre cœur et de notre humilité de pécheur devant le Christ qui porte les péchés du monde. Dès la naissance de Jésus, les mages se sont prosternés devant lui, Matthieu 2, 11. Oui, la célébration du Vendredi Saint comporte, après la lecture de la Passion et la grande prière universelle, la liturgie de la croix, durant laquelle les fidèles sont invités à vénérer la croix. Et d'autres moments ou d'autres circonstances, l'Église vénère également les reliques, fils et filles du bon Dieu. Cette forme de piété se tient à distance de toute idolâtrie. Ce n'est pas de l'idolâtrie, comme vous le savez, dans l'Isaïe ou bien l'épisode du veau d'or en Exode.
ou superstition. L'objet vénéré n'a rien de magique. Il renvoie toujours au Seigneur, fils et fille du bon Dieu, à qui nous exprimons notre attachement. Oui. Oui, Jésus était crucifié avec deux bandits, fils et filles du bon Dieu. Ces hommes avaient eux aussi fait leur chemin de la croix, fils et filles du bon Dieu. Pourtant, ce n'est pas leur croix qui nous sauve, seule la croix du Christ qui sauve, parce qu'elle est endurée par amour de Dieu et de l'humanité, fils et filles du bon Dieu. Oui, des gens vont t'accuser de toutes sortes de choses que tu n'as pas faites ou dites. D'être voleur, corrompu, adultère, sorcier, ainsi de suite. Regarde la croix de Jésus-Christ, fils et fille du bon Dieu. Regarde aussi ta propre croix. Et donne tout entre les mains du Seigneur. Lui t'accordera des grâces en abondance, fils et fille du bon Dieu. Aimons-nous vivants et préparons notre ciel en faisant le bien sur la terre. C'était le Père Paul Diès Toulou depuis la paroisse Saint-Michel de Nkembo. Mais c'est Saint-Michel de la gloire pour emmener chacun de nous vers la gloire. Nous sommes dans l'archidiocèse de Libreville, c'est au Gabon. Oh,